Bien, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cet événement ce soir que je vais donc vous commenter et donc vous faire vivre ce soir entre Paris et Bruxelles avec la fameuse musique qu'on connaît tous avec Angèle, Bruxelles je t'aime, effectivement vous l'avez entendu, c'était au top 1 de ces stars. Donc ce soir, donc un petit vol assez court donc entre Paris et Bruxelles, j'espère que ça va vous plaire. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est connecté il y a un peu plus de 10 minutes et donc les haters ne sont pas là. C'est-à-dire que, effectivement, comme je vous l'ai dit précédemment et lors de mes points vidéo, je pense que les haters se sont calmés et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Voilà, quant à moi, je vais pas tarder à lancer le vol. Il me reste qu'à vous souhaiter un très bon visionnage et puis bah, par la suite, il me reste qu'à vous dire à tout à l'heure pour le lancement de cet événement. Salut tout le monde! Delivery, bonsoir, de Speedbird 21-24 avec vous, donc en CFR, destination Bruxelles. Transport mobile, numéro 5 Golf et la 09 droite au départ. Merci. QNH Mi 21, repoussage face ouest. Speedbird 21-24, merci. L'après-vol de Speedbird 21-24, on est prêt à rouler pour la 09 droite. Allez, on va reprendre. Vous voulez prendre la parole pour le faire, sera suivi et contactez le service 41 des publics.
La prévente de Spire 21-24, prêt à rouler. J'ai pas compris qui appelait. Oui, Spire 21-24, oui, j'avais pas compris qui vous appelait. À 121 décimal 8, Tango Alpha, unité, merci beaucoup, au revoir, bonne soirée. Le sol, bonsoir de Spire 21-24 avec vous, on commence le roulage Tango Alpha, unité. Alors, à droite, Foxtrot, et on maintient Middle 2, merci. Foxtrot et on m'a dit Middle 2. Middle 2. Middle 2. De nuit, mais les éclairages. On voit quelque chose. Le sol, 121 décimal 6. Merci, au revoir, bonne soirée. 121. Merde. Hop. Le sol, bonsoir de Spire 21-24 avec vous. On demande une clairon... pardon. Continue le roulage sur Foxtrot, pardon. Alors, Foxtrot, Delta, et vous m'avez dit quel point d'attente, si possible, sur la 9 droite. Delta 3 reçu. Foxtrot, bravo, Delta 3. Casse, je vais le mettre en route. Non. Alors. Oh, Foxtrot, bravo. Et Delta 3. Non, non, non. On continue, nous, oui. Bon, je vais contourner, je vais aller là et je vais contourner. Le 3630 middle.
Après, on va aller à Bravo et Delta 3. Non, terminal 1 de Charles de Gaulle. Oui, j'écoute sur Inter24. Ok, alors Delta 4, 09 droite, speed 21, 24. Alors, Delta 4. Ouais, ben là, je suis trop court. Là, je suis beaucoup trop court et je pourrais pas décoller. J'ai pas assez de. Attends, je vais demander. Le sol de Spire 21-24, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, s'il vous plaît, en fond, bah, suite à nos perfos? Ok, parfait. Bah, Delta Unité et bravo. Reçu, merci. Je vais pas me faire rappeler à l'ordre, mais le problème c'est qu'à Roissy, Delta Unité, voilà, c'est là-bas. La tour, 119-250, merci, au revoir, bonne soirée. De Gaulle Tour, bonsoir de Speeder 21-24 avec vous sur Bravo pour Delta Unité. Bonsoir.
Et donc, retour, bonsoir de Spire 21-24, on approche Delta Unity, piste 09 droite. Alors pour moi, j'ai du Delta Unité. Ouais, j'ai du Delta Unité pour moi. Ok, bon. Est-ce que c'est possible depuis Delta 3 de me faire attendre? Ok, merci beaucoup. Alors après, 121, 150, je crois. Ah oui, Delta 3, effectivement, fait chier. Bon, alors à la suite, on est à Delta 3, on devait aller à Delta Unité. Et donc là, on attend, point d'attente, 09 droite. Delta Unité était là-bas. On s'aligne 09 droite et on attend derrière, speed 21-24. Ça va pas tarder. Autorisé décoche, 09 droite, Spire 21-24, merci. Allez, take off. Je suis parti en extrémité gauche. Voilà. Positif, climb as gear up. F36, papa, il serait à niveau piste 09 droite et attendu.
Que départ, 124 décimales 350, merci, au revoir. Le départ, bonsoir de Spire, 21-24 avec vous. Numéro 5, Golf, on monte niveau 100, Spire, 21-24. Allez, on arrive, on a été clear, un vol, après vol, voilà, 2-5 left, donc, voilà, un vol 7 alpha, and 2-5 left, allez, on approche de la 25 gauche à Bruxelles. Et il fait très beau, regardez ce sunset. Magnifique. Continue approach on way to 5 left, we are number 1, thank you. Ok, speed break armed. Avec la pollution, on voit pas grand chose et une nappe de brouillard en dessous. Attends, il fait 27. Eh ben, il n'y aura pas eu de haters, mais on arrive 25 gauche. I'll be clear to land 1 by 2, 5 left, speedboat 2-1, 2-4. Autorisation d'atterrissage. Je dois voir. On my inside. Pour l'instant, pas de haters, pas de blocage de piste, c'est parfait. Eh bien, normalement, tout devrait être bon. J'ai pas de réception éco-radar. 2-5 left. 1500. Continue. Et par contre, de nuit, l'éclairage est vachement poussif sur Bruxelles. Bon, ça permet de détecter la piste. Continue. On est bien aligné. Parfait. Good evening, Brussels Town, Caleb 1721 on our approach from my 25.
Continue. Centerline, speed brake. Hey, bienvenue à Bruxelles. In Bruxelles, Tower Speed 2124, one way, 25 left is vacate. Contact the ground 1218 75. Tschüss. Bruxelles Sol, bonsoir de suivre 21-24 avec vous à Charlie 5. Oh, okay, oops, sorry. We are at Charlie 5 and we are just to hold at Charlie 5. Okay, no problem, speedboat 2124. Okay, stand 171 via inner, and say again for the last. Romeo 4. Okay, inner and Romeo 4, speed by 2124. C'est de l'autre côté, je crois. Eh ben, il n'y aura pas eu de blocage de piste. Continue,
Oh, okay, sorry. I just to see the traffic on my right side, and we hold for the traffic. Grand Speed Bar 2124, can we just to continue taxi? Welcome to
Bon, ben voilà. On est arrivé à Bruxelles. Grand speed about 2124, descend 165 Romeo. Thank you. Have a good evening. Bye bye. See you. Voilà, on va procéder à l'extinction des moteurs. Et nous n'aurons pas eu un seul haters, pas un seul blocage de piste, rien. Et bienvenue à Bruxelles, chez les Belges, une fois. Voilà, j'espère que ce vol vous aura plu. En tout cas, un grand merci à vous tous. Et encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien. Et puis, bah, quant à moi, il me reste qu'à vous souhaiter une agréable fin de soirée. Et puis, sur ce, on se retrouve dans un prochain épisode. Salut tout le monde, très bonne soirée. Ciao, ciao, see you. Eh bien, rebonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver pour cette fin de vol. Eh bien, que dire? Ça y est, les haters et donc Payano, Eric, Kadou et toute cette bande de manipulateurs ne sont pas venus m'emmerder pour ce vol-là. Et c'est même une très très bonne nouvelle pour nous qui pouvons reprendre les vols normalement et tous les événements normalement. Que dire? La preuve en est, trois événements, trois vols réussis, trois atterrissages réussis. Alors certes, il y avait des erreurs, certes. Mais ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que la preuve, je ne suis pas quelqu'un à problème. Ces problèmes-là sont ces gens-là, ces brouteurs qu'on appelle en informatique. Il faut bien comprendre que ces gens m'ont accusé à tort. Et il faut bien comprendre que ces gens comme Payano, Enzo DeWitt, Guy DeWitt et son épouse, ainsi que Monsieur Aero3D, Monsieur Chrisfx, Monsieur Aloku, Aloman66X, toutes ces personnes-là sont des gens à problème. Ce sont des gens qui divisent, qui mettent à mal la partie aéronautique civile virtuelle, d'accord? Certes, il y a eu des difficultés sur ce vol, certes. Certes, ok. Sauf que, il faut bien comprendre que depuis le temps que j'ai pas beaucoup volé, il faut comprendre que c'est un petit peu normal qu'il y ait des difficultés. Maintenant, ce que j'ai simplement envie de vous dire, moi je ne suis pas quelqu'un à problème, mais des gens comme Clotilde, ou comme d'autres, comme Roxane Nerox, etc., etc., qui se font manipuler par ces gens-là, et qui en plus leur mentent, leur disent que c'est moi le vice de problème. Vous avez vu? Là, sur l'événement Paris-Bruxelles. C'est pas moi le problème, c'est eux le problème. C'est à eux de s'en prendre. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là, que ce soit la MDT, la Polar, la TJ, etc., etc., toutes ces personnes, comme Roxane Nerox, qui me traitait comme un malpropre, avec une autre confrère qui devait venir m'aider sur mon lieu de travail aussi, pareil. Toutes ces personnes-là qui disaient que j'étais quelqu'un à problème, alors que pas du tout. Vous avez la preuve. On fait des événements gaming, il n'y a pas de problème. Voilà. Pareil, Monsieur Mathias Pamienko qui tire des conclusions hâtives d'Ivo France, vous avez vu le résultat? Voilà. Maintenant, ce que j'invite quand même les personnes à faire et à réfléchir, que ce soit Roxane Nerox, que ce soit Mademoiselle Clotilde, à bien réfléchir. Je pense que ces personnes-là, comme Monsieur Guy DeWitt, Monsieur Enzo DeWitt, Monsieur Ozan Guven, etc., etc., sont des gens à problème, sont des gens qui vous manipulent, sont des gens qui vous ont retourné le cerveau. Contre moi, contre mes idées, contre mes vols, contre mes serveurs. Aujourd'hui en 2022, ça tient. On n'est plus emmerdé. Parce qu'on est capable de faire la part des choses. Et on est capable de bannir, sanctionner, punir quand il le faut. Et quand les administrateurs IT n'en sont pas capables de le faire. Voilà messieurs, dames, sur ce que j'avais à vous dire. J'espère que le vol vous aura plu. Et puis bah, quant à moi, il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Salut tout le monde. Et encore merci d'avoir participé. Salut!